Merci beaucoup, DG du ministère des Cultes, pour avoir si bien animé cette première partie de notre cérémonie du jour. Actuellement, les chefs religieux présents vont saluer le président de la République, son épouse, le premier ministre de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre des députés, ainsi que la vice-présidente de la Cour de cassation. Vous venez d'assister ou prendre part, chers invités, à la cérémonie de prière interconfessionnelle, qui constituait donc la première partie de notre cérémonie de ce jour. Amis téléspectateurs, Télévision Nationale d'Haïti, c'est deuxième étape journée qui est censée vivre dans Boutli, n'a pas suivre sous petit écran nous. Salutations à président de la République, salutations chef religieux qui souhaitait animer un service écuménique en mémoire victime 12 janvier. Célébrant service écuménique ça c'est monseigneur Zaché Duracin et pour qui était représenté l'église épiscopale d'Haïti, c'était pasteur Jean-Vigo Amilcar Antoine qui était représenté secteur protestant et c'était monseigneur Pierre-André Dumas qui était représenté l'église catholique et dans intervention yo mette accent sur et bien problème pays d'Haïti a fait face journée jeudi à dans ça qui relait et fragilité Haïti par rapport à désastre et puis catastrophe naturelle qui ça qui la cause yo chaque fois dans façon par yo par exemple pour monseigneur Zaché Duracin représentant l'église épiscopale d'Haïti il te dit dirigeant yo fait face à gros défis par rapport à projet ou construction paysan mais en gros c'est sens de responsabilité c'est solidarité c'est appel tête ensemble c'est sens civisme c'est sens patriotique qui te fait l'essentiel trois interventions sa yo. Et je n'ai pas le poursuivre avec l'autre étape yo. Activité ou action logistique pour nous permettre de poursuivre avec la deuxième partie de cette cérémonie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, intervention, c'est trois interventions qui sont vraiment fort et qui ont plein de messages pour la population haïtienne. Madame la Première Dame, honorable président du Sénat de la République, honorable président de la Chambre des députés, excellence vice-président de la Cour de cassation, monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, Monsieur le commandant des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la paix des corps consulaires, Excellences les anciens présidents de la République d'Haïti, chers membres du groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du bâtiment historique du Palais national, chers invités en vos rangs, grades et qualités, 12 janvier 2010, 12 janvier 2018. 8 ans déjà que notre pays, Haïti, connaissait l'un des moments les plus tristes, l'un des moments les plus douloureux de son histoire. Tout a tremblé autour de nous, comme l'a dit l'autre. Certains y ont laissé leur vie,
Certains y ont laissé l'œuvre de toute une vie. Le Palais national, construit en 1918 par l'architecte Georges Baussan, tout comme de nombreux édifices de chez nous, n'a pas pu résister au choc du tremblement de terre. Il fut détruit en 2012. Aujourd'hui, nous assistons à la cérémonie de pose de la première pierre du futur palais national. Le président Jovenel Moïse cède cette symbolique mission au groupe de travail et de réflexion sur la reconstruction du bâtiment historique du palais national. En début de cérémonie, recevons le coordonnateur de ce groupe et directeur exécutif de l'UCLBP, M. Clément Bélisère, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Son Excellence Jovenel Moïse, Président de la République d'Haïti, Madame la Première Dame de la République d'Haïti, Monsieur le Président du Sénat, l'Honorable Sénateur Joseph Lambert, Monsieur le Président de la Chambre des députés, l'Honorable Député Gary Baudou, Madame la Vice-Présidente de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Messieurs et Dames les membres du Honorables parlementaires, Messieurs et Dames membres du corps diplomatique, Messieurs et Dames grands commis de l'État, Messieurs et Dames les célébrants de religion pour la paix, Excellences anciens présidents de la République d'Haïti, chers collègues du groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du Palais national, Messieurs et Dames membres de la presse, la tristesse de l'anniversaire du séisme du 12 janvier 2010 qui occasionna d'énormes pertes en biens matériels et en vie aux familles haïtiennes. Et c'est avec une joie immense que je participe ce matin à la cérémonie de pose de première pierre pour la reconstruction du Palais national haïtien. Depuis le mois de mai, le groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du Palais national travaille d'arrache-pied pour produire les réflexions préliminaires, termes de référence et cahiers de charges nécessaires dans le but de doter le pays d'un palais qui réponde aux aspirations et à la vision de la population et qui accommode confortablement le programme des besoins de la présidence. Un palais moderne, équipé de toutes les dernières technologies en matière de sécurité, énergie, information et communication. C'est une noble initiative du président Jovenel Moïse à lancer la reconstruction de notre palais national. Nous offre aujourd'hui l'occasion de nous rassembler sereinement et souverainement par-delà nos différences épidermiques, économiques, intellectuelles, académiques, politiques, sociales et religieuses autour d'un projet qui nous permettra de remettre debout l'un des principaux symboles de notre indépendance et liberté acquise au coup de sang de nos ancêtres. La reconstruction de notre palais national nous permettra aussi de recouvrer les fruits de notre contribution à l'histoire des peuples noirs et de l'humanité de manière générale. Pour illustrer ma thèse, je vous réfère à un puissant message de mon ami et frère musicien, l'honorable sénateur du Nord-Est, Jacques Sauveur-Jean, dans la version Troubadour de sa composition Haïti chérie, et je le cite. Haïtien dans le monde entier, moi impoché pour nous écouter, moi gros message, moi capoté pour faire songer qui s'annouille. Nèg noir qui fait l'indépendance, qui inventé la liberté, nous pas devons marcher tête baissée, même le pays nous en danger. Le membre de phrase clé étant nèg noir qui fait l'indépendance, qui inventé la liberté, nous pas devons marcher tête baissée. J'adore ces paroles. Honorable sénateur, mes respects. Aux questions, comment sera le palais? Est-ce qu'il sera reconstruit à l'identique? Est-ce qu'il sera reconstruit suivant une nouvelle architecture? Est-ce qu'il sera antisismique? Etc. En qualité de coordonnateur du groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du palais, je répondrai tout simplement
Le palais national détruit le 12 janvier 2010, œuvre de l'architecte haïtien de l'école des beaux-arts, Georges Bossan, doit servir de référence, tout en tenant compte des besoins actuels et futurs de la fonction de la présidence. Pour mémoire, le palais de Georges Bossan a été conçu en 1912 pour répondre aux besoins de la présidence de cette époque-là. Il est clair que les besoins de la présidence en 2018 auraient beaucoup de difficultés à être confortablement accommodés dans ce palais. Le palais national, qui sera le fruit de la présente initiative du gouvernement Moïse Lafontaine, harmonisera la mémoire de l'œuvre de Georges Bossan au mieux avec les vœux de la population de la présidence et accommodera confortablement le programme des besoins, les nouvelles technologies avec une consommation énergétique la plus économique que possible, des aménagements intérieurs et paysagers de qualité et tout ceci dans un langage architectural cohérent. Ce sera un bâtiment moderne, reconstruit en mieux, parfaitement équipé et prenant en compte notamment les normes d'accessibilité universelle et de protection de l'environnement. Aux inquiétudes sur les coûts de cette construction future, je répondrai que le palais national sera majestueux. Et je préciserai que le luxueux est onéreux, mais le majestueux est ingénieux. À la question comment arriver justement à ce palais majestueux non onéreux, je répondrai encore que l'ingéniosité de ce palais sera le fruit de la combinaison des éléments suivants. Le groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du palais national créé par le président, composé d'une kyrielle d'ingénieurs, architectes seniors et historiens de référence dans le pays, ainsi que des membres issus des institutions publiques normatives en charge de régir la matière. Je vais parler de l'ISPAN, le MTPTC et du CLBP. On a eu aussi un avis à manifestation d'intérêt qui a été publié et nous avons reçu des soumissions de groupements de firmes haïtiennes agissant en chef de file qui se sont associés aux meilleurs professionnels haïtiens en la matière et même avec des professionnels étrangers de renommée internationale. À date, les soumissionnaires ont été préqualifiés et nous attendons la validation de cette préqualification par le Conseil national des marchés publics. Un jury a été proposé et validé par le cabinet de la présidence du président de la République. Et ce jury sera présenté au public dans un futur proche. À noter que le jury sera composé de professionnels de la construction très seniors, de grande expérience, pour la plupart de qualifications supérieures ou à la limite égales à celles des soumissionnaires. Les débats sectoriels sur la question ont commencé et se poursuivront jusqu'à la date limite de soumission des projets. Pour finir, en mon nom propre et celui du groupe de travail de réflexion pour la reconstruction du palais national, je voudrais remercier le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, son cabinet particulier et le Conseil des ministres d'avoir fait choix de nous pour l'accomplissement de cette noble mission. J'aimerais aussi remercier tous les membres du secrétariat exécutif du groupe de travail qui nous assiste avec efficacité et efficience, sans oublier les valeureux cadres de l'ISPAN, du MTPTC et de l'UCLBP qui se donnent corps et âme au succès du projet. Et de manière spéciale et personnelle, j'aimerais remercier mon père, mon premier modèle dans la vie, l'ingénieur D. Jean Bélisère, sénateur de la Tibonite de la 45e législature, ancien président de l'Assemblée nationale, qui m'appelle régulièrement pour me prodiguer des judicieux conseils sur le comment approcher cette mission pour y arriver dans les meilleures formes et conditions possibles et surtout dans la transparence et le strict respect des normes et procédures. Donc en mon nom et celui de mes deux frères, je te dis merci papa d'avoir toujours été là pour nous, d'avoir toujours et d'être toujours notre modèle et de nous avoir montré la voie. Pour finir, je remercie Dieu pour tous ses bienfaits et de nous avoir donné un aussi beau pays qu'Haïti. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse Haïti. Merci.
un moment douloureux de notre histoire, mais aussi la preuve, s'il en fallait de cette manière-là, que le peuple haïtien ne reste pas longtemps par terre lorsqu'il tombe. La vie a vite repris sa place. Et 8 ans après, la ville en reconstruction moderne, comme vous pouvez le voir de là, justement, la ville en reconstruction moderne est bien là pour le montrer. La reconstruction est bien l'affaire de tous les Haïtiens. Chacun doit jouer sa partition. Et nous y apportons notre pierre, parfois à des niveaux où on ne nous attendait pas. C'est ce qu'a fait Steve Collin, ce jeune de Cité Soleil, le premier Haïtien à avoir apporté sa contribution à la reconstruction du Palais national en octobre dernier. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Et nous saluons la présence du grand architecte univers au bas devant Majesté. Nous saluons le président de la République, Excellence Jovenel Moïse. Et nous saluons Excellence Madame Première Dame, Madame Martine Moïse. Et Monsieur Premier ministre avec cabinet ministériel Lio. Messieurs, dames, représentants, honorable Sénat et Chambre des députés de la République, nous saluons, messieurs, dames et représentants la Cour de cassation et CSPJ. Nous saluons, messieurs, dames, représentants corps diplomatique dans la Cour pays d'Haïti. Nous saluons, messieurs, dames, force police nationale et force l'armée d'Haïti FADH. Nous saluons, messieurs, dames, représentants commission reconstruction palais national. Nous saluons, messieurs, dames, représentants la presse palais écrit et télévisé. Nous saluons tout secteur et tout monde qui représentait dans la cause première reconstruction palais national la jodi. Nous saluons tout haïtien qui vivent en Haïti dans 4 coins planète là et spécialement en dans ghetto yo. 4h53 minutes 10 secondes dans l'air national là, yon tremblement de terre avec magnitude 0 à 7.3 passé en dans la cour pays d'Haïti dans jour qui était mardi 12 janvier 2010 là, qui portait aller environ 300 000 âmes sans compter dégâts matériels qui est valé avec des trilliards de goudes. C'est moun en dans ghetto qui était plus mouri et plus souffri dans catastrophe naturelle ça. Mais niveau souffrance, moun riche ak moun pauvre, yo pas différent. Ça veut dire tout pays a tap souffri ensemble et même bâtiment 3 pouvoir l'état yo t'est rivé effondré. C'est un coup, yon signal, la nati te voye ba nou. Pa gen yon kès sou la terre, côté nouvelle sa te rive, qui pa touché et puis blessé. Pran pitié pour moun qui riche, moun qui pauvre. Kòt lombri tout haïtien en Haïti, kwa l'étranger t'a coupé. Peuple haïtien te choisi résister. Yo chak te campé ak propre l'honneur. La sagesse ak l'amour yo. Nous te chercher force dans symboles ancêtres nous yo qui te fait nous première république nègre indépendant sous la terre bénie. Nous c'est un grand peuple ak grand l'histoire sous la terre qui gen en pile mystère là-dedans. Nous pas pour compte nous sous planète là. Racine nous plantée loin. Dans mémoire toute victime catastrophe naturelle 12 janvier, Palais national,
c'est une symbole, légende, ak fierté historique, souveraineté pays d'Haïti. Gros caille blanche ça, qui symbolisait rêve tout haïtien, côté toute nation, sous la terre, remet entrer là-dedans. Gen en pile l'autre pays sous la terre qui pas jwenn chance, opportunité historique ça nous gagne dans histoire nous. C'est ça que fait jodi a, malgré toute souffrance, la peine ak douleur, nous te endiré nan jam. Bon Dieu pral permettre que destiné symbolique sinan mon youn nan meilleur modèle entrepreneur national pays a konnen, qui c'est président république là, excellence monsieur Jovenel Moïse, kembe men légitimement avec yon petit naturel ghetto des gros femmes qui sorti en cité soleil pour marquer l'histoire ensemble. Président Jovenel Moïse touché la vie nous en dans ghetto a nan sans geste symbolique nous en dans cadre projet reconstruction palais national qui t'a voulu sembler avec l'histoire dans Bible, là, côté prophète Élie t'a rencontré femme Sarita. C'est un moment, président t'a réfléchi en dans palais. Est-ce que peuple là, bien comprendre sacrifice moins avec tout l'autre président qui passait yo? Sans attendre, nous-mêmes, serviteurs nous te répondre, oui, président, oui, son excellence, mais courage nous. Mais force accent nous, mais l'amour nous, collons ensemble pour nous capables de faire plus de choses toujours que les ancêtres t'ont fait dans l'histoire de l'humanité. Jess Moun Getoyo, rivé joindre président Jovenel en dans palais national, sans réfléchir à l'origine moins. Si moins chaud, si moins fret, si moins une bonne carrière dans la vie moins, si moins pas dans l'opposition politique. Si moi t'ai voté li, si moi même nan même parti ou bien secteur politique avec li, président t'ai accueilli geste là pour moi contribuer comme premier chèque moi pour reconstruire palais national noir. Excellence, qualité gros coquin chaîne que humain ak humanité extraordinaire qui la caille qui naturel. Nous senti avec vous Haïti et rêve nous te gagne comme haïtien pour Haïti depuis longtemps vignon réalité. C'est même résistance 24 ans après tremblement de terre qui vinn plus. C'est force ça nous toujours kembe qui pral permettre nous reconstruire avec participation tout haïtien dans quatre coins la terre béni. Qui se palais qui pral gen pi belle histoire dans l'histoire l'humanité. Palais qui pral pi sophistiqué dans toute Caraïbes là. Youn nan pi belle palais qui gen pral gen plus l'amour dans monde là. Côté en retour tout président qui pral bénéficier prix sacrifice l'honneur sans nous pral gen comme mission retourner pi spirituel que tout l'autre bagaille pour chasser tout mauvais esprit division. La haine, raillement, poison mental, découragement, soleil, lumière, bon Dieu, levé sous Haïti. Soleil, bon Dieu, levé sous tout moun riche et pauvre dans pays d'Haïti. Soleil, bon Dieu, levé sous tout phosphore noir dans pays d'Haïti. Soleil, bon Dieu, levé sous tout moun en haut, tout moun en bas, pays d'Haïti. Soleil, bon Dieu, levé pour nous reconstruire le pays d'Haïti et spécialement le palais national. Que bon Dieu, Abraham, Jacob, Israël, la béni peuple Haïti. Merci. N'a pas rappelé que Steve Collin. C'est donc jeune ça qui saute cité soleil qui c'est premier citoyen qui t'a contribué avec moyen que lui-même li gagne. On t'a même poser une question assistance là. Est-ce que nous connaît combien l'argent il t'a bail?
10 000 gouttes. En nous battant gros bravo, s'il vous plaît, pour Steve Colin. Nous dit premier, parce que Steve, t'es commencé action. Gardez l'autre jeune, par contre, si c'est Steve Colin qui inspire yo, qui continue démarche là. Yo sorti dans 10 départements dans pays a et pour présenter yo, pour expliquer gestion, c'est collègue moi, porte-parole et conseiller Lucien Jura qui va le faire travail ça. Merci. Le Colin t'est posé geste ça dans le palais national, dans le cabinet présidentiel, c'était un étonnement général parce que en pile haïtien rêvait pendant longtemps, ils ont prié pour que nous arrivions dans le jour ça. Mais geste symbolique, client, c'est après le premier. Samedi dernier, dans le Ranch Croix des Bouquets, gagné un forum que la Commission nationale pour innovation et insertion socio-professionnelle jeune yo t'a organisé pour 730 jeunes qui sortis dans toutes 146 communes pays a. Yo t'ai vu en formation et chef l'état était là. Une grosse surprise que président Jovenel Moïse t'a pral recevoir, c'est le il t'a pral constater que jeune ça yo t'ai gain engouement pour y avoir palais national là reconstruit et y ont été mettés ensemble dans chaque département yo y ont réuni 25 000 gouttes yo chaque département, ce qui fait que dans 10 départements y ont collecté 250 000 gouttes en face président Jovenel Moïse ou même à l'administration là n'a tant palais national là nan men et nous commencer par poser geste ça jeune ça yo là matin et on pral passer devant tout d'abord pour département nord-ouest gagné Louis Hanson c'est contribution payo président Jovenel Moïse à reconstruction palais à Saint-Ville Jean René département de l'Artibonite Boukar Marie Jevla. Nous pas besoin de faire économie applaudissement, nous mettons applaudir. Cheno, Boukar Marie Jevla, sud-est. Cheno, Rosny, nord-est. Ça, c'est contribution jeune qui croit aujourd'hui hein, leur arrivée pour nous gagner par les nationales loin. Telus, Medjine, département du centre. Sévigné, Jaël, département Grandance. Laurent Ricardo, département des Nip. Joseph Yves Géraldi, département de l'Ouest. Duverno Katiana, département du Nord. Ekader Jameson, département du Sud. À travers GESA, yo di au président Jovenel Moïse, yo di premier ministre Jacques Guy Lafontaine avec tout gouvernement, nan ko les épaules nous capable réaliser gros défi. C'est GESA yo te vle accompli nan jou solennel ça côté que nous pral ressusciter l'œuvre de l'architecte ingénieur Georges Boussan. Eh bien, nous toujours pensons que jeunesse pays noir n'est pas sous ça. Jeunesse pays noir, son seul bagage qui est en tête, c'est quitter Haïti. Ces jeunes sont l'exemple que la jeunesse haïtienne croit en l'avenir d'Haïti.
ces jeunes sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci de vous asseoir. Reconstruction, pays nous, ces affaires, tout le monde. Tout le monde doit impliquer. Jeune Sayo, montrez-nous que c'est possible. Commencez par Steve, rivez sous Jeune Sayo qui sortit dans 10 départements pays. Est-ce que faut nous bailler gros l'argent? N'a pas demandé. Yon gros engagement, yon gros volonté de moun ki an les têtes pays. Le président Jovenel Moïse était engagé. Aujourd'hui, il réalise la pose de la première pierre du palais national. Je vous invite à l'applaudir, s'il vous plaît. C'est un moment important pour la population haïtienne après le tremblement de terre 12 janvier 2010. Le président de la République, Jovenel Moïse, pour le poser une grosse action. C'est une action tout haïtien tapant. Côté libéral, c'était le premier wash pour la construction du palais qui était considéré comme le plus bel palais dans les Caraïbes. Le président de la République, dans le cadre de la cérémonie pose de première pièce pour quelqu'un pour parler à la nation dans un petit moment, c'est dernier touche qu'a été toute population haïtienne. Si là qui branché télévision nationale d'Haïti pour quelqu'un chance pour suivre discours président République en direct et connaît qui ça lui gagne dans vision à travers pose première pièce qui pour le marquer, eh bien, étape officielle, lancement, processus, reconstruction, palais présidentiel là. Je crois que nous avons un problème micro, nous avons un problème son, nous avons un problème monde. Madame la première dame de la République. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le Président de la Chambre des députés,
Madame le vice-président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Représentant du président de la Cour de cassation et du CSPJ. Messieurs les sénateurs de la République. Mesdames, messieurs les représentants du pouvoir judiciaire. Messieurs les anciens présidents de la République d'Haïti. Messieurs les ministres. Mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique. Madame le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Messieurs les présidents et membres des institutions indépendantes. Mesdames, messieurs les représentants des organisations internationales. Mesdames, messieurs les membres du corps consulaire. Monsieur le commandant en chef AI des forces armées d'Haïti. Madame, messieurs les membres du commandement de la PNH. Monseigneur le représentant de la confession catholique. Monseigneur le représentant de l'Église épiscopale. Pasteur, le représentant de la confession protestante. Mesdames, messieurs, les représentants d'organisations de la société civile. Mesdames, messieurs, les représentants des organes de presse. Mesdames, messieurs. Le 12 janvier, c'est un jour tête collée pour tout Haïtien à cause du lait qui te mettait à genoux en pile famille à petit pays d'Haïti. Yo dit que nous sommes peuple roseau, même si nous oublions, nous ne pouvons pas casser. Nous sommes un peuple qui a courage. Qui donc, malgré toute adversité, désespoir et souffrance, nous restons un peuple qui toujours campé jam avec tête non droite et qui toujours porté haut flambeau l'espoir pour y rendre même meilleur. C'est un moment famille nous a traversé, nous croyons, nous capable de sortir tête nous. Famille nous, ak pays nous, dans toute entrave. Et nous capables de construire pays nous vle. Yon pays libre, côté tout le monde capable de vivre dans la paix avec la dignité. 12 janvier, c'est un jour qui est triste dans l'histoire. C'est un jour nous ne pouvons jamais oublier. C'est un jour, nous ne pouvons pas oublier. L'amour nous réen pour les gens proches, nous, famille nous, amis nous qui étaient morts dans la date 12 janvier 2010, fait que nous sommes bien vivants dans le temps nous, parce que nous habitons ce souvenir. Côté nous passé, nous sommes avec nous. Yon moun ki toujou nan kè ou, se yon moun ki pa ka mouri. Nou pa ka bliye tout, tout étranger ki mouri yo. Alors ke yon pil la dan yo, ki te vin kore Haïti sou kesyon devlopman ak demokrasi. Jodi a, mwen sot depose yon bouke fle nan Memorial Saint-Christophe, kote pif comme monde qui mourir enterré. Moi penser à famille ça yo, c'est yon mari, yon madame qui était sorti
et qui pas jamais donné. Il y a mon même famille. C'est nous tous qui en deuil. C'est tout pays qui pour deuil là. C'est tout peuple là qui pour deuil ça. Il y a une autre catégorie monde qui est victime dans 12 janvier. Société a pas d'oublier tout. M'a pensé à tout le monde qui sorti handicapé en bas bloc béton. C'était bien gomme avant 12 janvier. Mais 12 janvier réduit capacité. Li blessé yo nan nom yo et nan kòy yo pour la vie, pour tout reste vie yo. C'est ça qui fait date ça doit rappeler nous chaque jour que ça fait un peuple, c'est l'aile capable bataille pour le bail tête des règles pour faciliter au vivre ensemble. C'est l'aile capable bataille pour le bail tête un paquet règles qui non seulement permettent de vivre ensemble mais qui fait respecter les règles ça et tout. Nous organiser la caille nous. Jean nous lever petite nous. Jean nous gérer business nous. Jean nous vivre yon ak lot dans voisinage. Jean nous respecter autorité pays. Règles ça yo gen rapport tout avec Jean nous bâti caille nous. Et qui côté nous bâti caille nous. Nous pas capable de bâtir. Nous pas gain droit bâtir caille dans n'importe quelle condition et refuser sa autorité yo dit. Sa autorité l'état magistral kazek yo. Président ministre premier ministre. Sa yo dit sur qui côté nous ka bâtir et qui côté nous pas ka bâtir. Tête dit ak négligence. Construction anarchique pas ka yon défi pour l'État. Désordre ak anarchie pas ka yon défi pour l'État. Fok institution publique yo. Institution publique an dans l'État. Fok yo jwe rôle yo. Pour moun suspend fè sa yo vle nan pays d'Haïti. Haïti son pays même jak tout pays sous la terre. L'État a continué à prendre toutes dispositions pour améliorer la vie des gens qui sont handicapés. Ma lance un appel à toute société pour toujours avoir un geste compréhensif et bon cœur devant les difficultés des citoyens qui ont fait face. Quant à la famille, famille des gens handicapés, nous demandons pour continuer à couvrir les gens avec l'amour. Les gens qui sont handicapés font chaque jour examen de conscience pour nous comprendre que nous n'avons pas de bon passé. Ça t'est arrivé nous tous. Nous tous qui là, tout le monde qui a gardé là, nous tous, nous sommes dans la même situation avec les gens. Faut respecter moun sa yo. Faut aider yo. Faut accompagner yo. C'est comme ça seulement. Y a bien yon la vie meilleur. Et y a senti yo ces citoyens pays a tant qu'on nous toutes. C'est comme ça seulement. Pays a fait progrès tout bon vrai. Parce que tout moun c'est moun. Peuple haïtien. 12 janvier 2010. C'était un jour côté yon joine l'autre dans solidarité pour sauver la vie moun qui était en bas bloc béton. Même si yon pas kon l'autre. Même si yon pas saute même dans classe sociale avec l'autre. Même si yon pas saute dans même classe économique avec l'autre. Même si yon pas gen même couleur avec l'autre.
yon jou pendant chaque grand haïtien te montre solidarité ak frèl ki te nan besoin. Même si moun nan pat gen gros moyen, li toujours prêt pour le partager ti kichoy li gen ak famille, voisinage li. Et même ak moun li kontre nan la rue ki nan zafè pa bon. Jou sa, nan moment sa. C'était comme ça pays a te kon viv longtemps. C'était comme ça Haïti te kon viv. Nan konbit la, nan yon remen lot la, nan yon viv pou lot la. Et c'était mode de vie ça qui te kon aide nous sorti en bas calamité, qui te kon aide nous vivre nan dignité et nan respect yon pou lot. Solidarité qui manifeste dans que nous jou ça doit retourner ciment qui pour renforcer société pour aider changer situation n'a vive que division chirépite jalousie ingang akogay empêcher nous avancer et condition pour n'y ait plus travail dans pays même gens solidarité jeune garçon ça qui sorti dans cité soleil qui fait geste ça pour reconstruire palais national même gens avec jeunes qui sorti dans 10 départements pays qui met tête ensemble porter by l'état 250 000 gourdes qui permettent yo faire gros travail ça mais faut me dire lui que tu gagne droit yo tout famille c'est mandé au mandé parents yo pour capable joindre possibilité pour mettre 250 000 gourdes à disposition l'état haïtien pour construire palais national c'est dans sens ça dans sens combite ça c'est dans sens vivion pour l'autre ça que depuis c'est dans ce sens ça que mettez en place caravane changement. C'est un combat national qui pour permettre construire infrastructure dans pays a protéger environnement ak la vie chaque haïtien augmenter production nationale là qui donc renforcer économie pays a pour nous capable créer plus de travail. C'est l'esprit solidarité ça qui permet nous construire Haïti nous voulons. Peuple haïtien, année 2018, dans le jour 7 février, caravane changement a dérapé dans 10 départements géographiques pays. Cloche la sonne, kon l'ambia sonne, pour que caravane combite ça. Qui pour permettre chaque haïtien qu'on est, yo gen des voix envers pays ça. 7 février dans tout pays. Moi pas jamais suspend expliquer nous pour qui ça caravane changement important pour l'avenir nous. Cloche la sonne, jour rassemblement, jour solidarité. Jour combat l'arrivée pour nous construire pays nous. Zami nous partenaire nous tout monde international là qu'on collabore avec nous jodia nous profiter gros jour ça pour nous dire nous que sous nouveau leadership ça pays a vle prend destin en main j'aime te dire ça dans parlement mais il vle prend destin en main avec nous Jean nous paraît, moi connais un gros partenaire qui gagne gros l'argent qui paraît pour le pays pendant 4 ans mandat qui était mais nous dit nous paraît pour nous recevoir comme ça tout mais pour nous recevoir dans bonnes conditions dans conditions côté pour nous construire route pour nous mettre lumière pour nous mettre de l'eau dans le robinet pour nous construire l'hôpital pour nous construire l'école pour tout le monde aller. C'est Jean Sayo
nous prévoit pour l'agent ça yo qui c'est l'agent contribuable l'autre pays paré pour cap venir din a jou combit la li rivé pour nous construire pays nous parce que zami nous partenaire nous yo ka venir din nous mais c'est pas yo qui a construit pays pour nous. C'est responsabilité pas nous pour nous construire pays nous. Pour nous qui ton pays qui meilleur que gens nous te prendre là. Faut nous river construire plus passer 12,000 salles de classe dans année qui venir. Pour tout petit haïtien petit nous yo capable aller l'école dans bon gens condition tout partout dans pays a sous 27,750 le mètre carré pays d'Haïti. Mi aéroport dans Port-au-Prince, yon ka aéroport dans Haut-Cap-Haïtien. Rêve pas nous. Nous voulons gagner trois gros aéroports internationaux dans le pays. Ça veut dire, yon Port-au-Prince, yon dans Haut-Cap, yon dans Haut-Cap, et neuf lots pipiti dans neuf régions. Dans le pays. D'un coup, yon nan Mol Saint-Nicolas, yon nan Port-de-Paix, yon nan Gonaïve, yon nan Wanamet, yon nan Hench, yon nan Belade, yon nan Sapit, yon nan Petit Trou de Mine de Nip, ak yon nan Jérémy. Fok nous continuer dans le programme construction plusieurs milliers de kilomètres de route là. Jean Nouès a commencé dans le site là. Jean Noué, route qui sorti Kafouchal pour aller Kafouzaboka, en passant par Corail, jodi a Melage, son corridor de longtemps. Jean Noué, route qui sorti Kafoujof pour aller en Safolaire, dans le niveau de la crêpe, en pile gros bulldozer, que l'agent budget 2017-2018 l'a acheté, qui n'a route ça, qui descend maintenant pour faire le piba, pour chauffer. Si span krasé camion yo nan mon sa. Jean Noué nan déviation route Kafoujof en Safolaire. Gen gros excavatrice, gros bulldozer kap travay jour et nuit pour faire déviation 10 km là, l'argent que budget qui sorti nan budget 2017-2018 là. C'est ça que je dis, nous décider faire pour pays. N'a continuer nan programme mettez électricité 24 sur 24 là sous pays nous dit et n'a fait si kay pour contre nous dit n'a privé sur vous avec programme quartier pam clairé sous la ville dans ville ville côté qui dit en cour ville Port-au-Prince côté qui gagne pile kay côté qui gagne pile monde qui était n'a travail pour réseau électrique là nous refaire Jean nous te dit pour que tout le monde n'a pas continué à nous. N'a continué à tirer rivière, protéger bassin versant, pour les lapli tomber, malheureux suspend perdit bien, l'eau suspend couler dans la famille, parce que l'eau pote aller trop monde, l'eau pote aller trop caille et bétail, même gens. Ça a fait dans la zone rivière blanche, les fait dans la rivière grise, les fait dans la zone rivière Momos, dans la zone rivière la Ravine du Sud, rivière la Kille, grande rivière du Nord, toute rivière qui prend moun ak bien moun dans le pays, nous dit, avec équipement qui acheté, jodi a, nous gagnons bouchon pour nous. Nous gagnons avec caravane changement, nous prenons le travail pour que 10 départements aient équipement. La médaille qui remobilise les jeunes garçons et jeunes femmes qui peuvent entrer dans la mer, ils prennent le travail pour que le pays, ils prennent le travail pour qu'ils reviennent dans le pays, faire route, faire pont dans tout le pays. Nous continuons le programme qui donne nous possibilité pour nous aménager le littoral. Nous voulons parler de Bolan Mer, si tout dans quelques villes qui ont une grosse menace sur eux. Ville en Safolaire, ville Port-Salut, Petit Trou de Nip, Chadonnière, Boy et Latrier. Toute ville ça, nous prenons le rivet sur vous.
pour nous travail pour que oui que yo perdu même genre on ville tant pour ville en Safolet qui perdu deux rues déjà pour nous rebailler ville ça yo escape figure mettez 100 germes place dans 10 départements pays nous connaissons 400 qui ont campé déjà yon inauguré yon paré dans département Nip pour inaugurer un lot qui dans département Grandance dans commune Mafran cap avancer et yon lot qui dans département Nord-Ouest dans commune Port-de-Paix plus précisément dans section communale Aubert cap avancer pour inauguration 6 lots centre n'a travail pour en 30 septembre 2018 yo construit pour que Haïti ait possibilité 45 millions pieds bois sur territoire national là pour dans curriculum l'école là gon matière que les rebrasement pour tout ti haïtien qui pral l'école obligé planter pieds bois dans tout pays à chaque année n'a travail pour nous construire barrage irrigation dans plusieurs zones dans pays à pour irriguer terre Jean ça commencé fait avec la boîte nationale avec partenaire nous dans international là dans rivière Marion nous t'ai commencé projet à sur un barrage qui était kakembe 3 millions mètres qui bloc jodi a yo augmenté n'a construit un réservoir qui kakembe 15 millions mètres qui bloc pour nous user une zone la kil samedi pour nous user zone terrier rouge pour moun dans commune au pêche dans commune terrier rouge dans quartier grand grand bassin kabwe pour nous produire électricité sous barrage là et pour nous capable mettez toute terre, je nous dis, dans la zone qui était des terres abandonnées pour nous mettre en production. Je nous te dis chaque jour, nous comptons comment pour nous mettre terre, rivière, soleil, là, avec nous ensemble pour le peuple qui a besoin de manger dans l'assiette et pour le cas de l'argent. Pays à section communale qui a besoin de l'eau potable, je nous dis, dîner pas le nous monter. Sous pouvoir 7 février. Dîner pas dans le budget national là, te gen zéro goud. Jodi, dîner pas gen possibilité pour l'acheter équipement pour li capable équiper 4 au repas qui gen dans le pays. Yon au repas qui gen dans le grand sud, yon qui gen dans le grand ouest, yon qui gen dans le grand centre et yon qui gen dans le grand nord. Qui permet que dîner pas jodi, sans pas obliger. Tant appel d'offres, sans ne pas obliger tant de contrats avec support partenaire international, nous disons pas qu'à commencer le travail pour mettre de l'eau dans le robinet tout le monde, parce que c'est rôle l'État, rôle c'est pour servir le peuple. Dans tout ça, nous disons là, il y a un gros problème. Il y a un problème qui sont urgences qui lient. Il y a un gros urgence. Même les gens avec rebrasement. Même Jacques a fait route, a fait électricité, a fait de l'eau. Son gros coquin chaîne d'urgence que a fait assainissement dans le pays d'Haïti. Nous ne sommes pas capables de quitter peuple nous à vivre dans le fatra. Pour la respirer dans le fatra, nous ne sommes pas capables de quitter la vonne à acheter, à manger sous fatra. Nous faisons pour nous travailler, pour nous résoudre le problème, ça, tout bon vrai. Et c'est ça que fait l'exécutif là. A marché main dans la main, avec la mairie 16 plus gros communes, même 10 plus gros communes, moi 10 communes côté qui a plus de monde dans le pays. Moi, je voulais parler de communes Wanamet, communes Fort Liberté, communes Cap Haïtien, communes Limbé, communes Saint-Louis du Nord, communes Port-de-Paix, communes Gonaïve. Commune Saint-Marc, commune Hench, commune Mibalet, commune Petit Gouave, commune Jacmel, commune Miragouane, commune Akin, commune Okaï et commune Jérémy. 16 communes Zayou, qui sont 16 gros communes exécutifs là, pouvoir exécutif là, à marcher main dans la main avec eux pour nous capables de mettre système sous pied, pour nous mettre centre de décharge, pour nous. Équipé, même gens ça commence fait dans la ville Cap Haïtien avec camion compressif qui sont achetés dans 123 millions de sites de décharge et gens nous commencent travail là
étude qui fait sur zone métropolitaine pour nous connaître combien de tonnes de fatra qui produit dans la zone ça. Environ 3000 tonnes de fatra qui produit là-dedans chaque jour. Nous prenons décision parce que étude a révélé 72% de fatra ça, c'est matière organique que nous prenons décision pour que les amis nous international là, voyage que nous avons fait en Europe, méthane avec compost de qualité avec produits organiques, ça y est 72% produits organiques qui n'en fatra que n'a produit dans zone métropolitaine. 72% matière organique ça cap permet nous produire plus passer 190 000 tonnes engrais de qualité et les capables permettre nous produire plus passer 12 mégawatts électricité et couyo approximative là aux environs de 40 millions de dollars. Moi toujours dit l'État c'est pour le prendre responsabilité pour c'est pas quoi qui pour bloquer nous qui pour a des problèmes nous dans pays à tant que problème fatra faut nous mettre tête nous ensemble dans l'État pouvoir exécutif pouvoir législatif à pouvoir judiciaire pour nous porter bonne solution pour peuple là parce que c'est pour ça peuple là mettez nous chef lui mettez nous chef pour nous servir et nous là pour nous servir peuple haïtien. Hygiène publique, c'est condition pour nous vivre en santé et dignité. C'est peut-être ça, nous prenons décision gaillé officier sanitaire et auxiliaire dans les affaires santé dans tout pays pour nous colter avec le problème d'assainissement. Parce que nous songeons longtemps, nous devons recevoir visite officier sanitaire tout en la caille nous pour nous garder comment condition hygiène et sanitaire. Ça, il va recommencer pour me dire que l'agence a eu bien à travers tout le pays. Peuple haïtien, 12 janvier, c'est la date qui réunit nous la journée. Ici, là, palais national, là, qui se caille, peuple, là, qui est tombé. Côté président, il y a un bureau. Côté l'autorité, qui se caille, peuple, là. Qui se symbole l'État. Je dis, moi j'ai une pensée spéciale pour les gens qui ont travaillé dans le palais et qui sont morts le 12 janvier 2010. Je m'a demandé nous pour nous faire un petit campé, pour nous garder une minute de silence pour eux. Merci beaucoup. C'est jeudi à tout me prendre décision pour me poser premier wash pour reconstruction palais national. Kay peuple là. Un pile monde poser pour construire palais. Mais nous y t'en ouais qui bon mal jeune l'argent pas vous. Jeune cité soleil là. 10 jeunes dans département pays là. Y t'en bon nous poule là déjà. L'argent li nan poche li la banque sous compte chaque haïtien qui a gardé là, qui a gagné dignité. L'argent là. N'a comment n'a posé première pierre à jodi. N'a tant de commission pressé, présenter nous plan qui gagne dans le concours qui pourra le faire là. Et automatiquement, plan arrivé, m'a nous garanti. Palais a commencé à construire même jour ça. Les papes. Parce que nous y étions en cobla. Nous y 10 000 gouttes plus 250 000 gouttes. Reste là. Nous sommes un peuple qui vaillant. Un peuple qui fait l'histoire. Nous voyageons dans la route fait noir qui te mène nous dans l'esclavage. Nous expérimentons toute forme d'injustice, toute forme de déception, mais nous toujours campé jam avec flambeau l'espoir, liberté et courage pour construire tête nous, pour nous construire pays nous. C'est aspiration nous, c'est idéal nous, et c'est ça qui fait nous, c'est haïtien. Nous croyons dans pays nous.
Nous croyons dans le destin de grandeur. Nous comprenons aujourd'hui qui ça qui gros défi. Et nous engageons pour nous lever. Pour petit nous, et petit nous, pour nous honorer, mais moi, toutes ancêtres. Nous engageons pour nous lever le défi. Ça. Défi dans le contrôle de qualité que nous dit à partir de votre loi sous normalisation législature. Dans l'agenda législatif, là. Je pourrais vous voyager, garder, fournir, garder sous toute loi qui est en souffrance qui l'a. Parce que ce n'est pas possible. Un pays pour matériaux de construction à prendre la donne par un contrôle qui fait sur tout matériau de construction qui a prendre dans le pays. Ce n'est pas possible pour un pays pour produire à prendre la donne pour moun manger pour pas un contrôle de qualité qui fait sous lui. Loi sur normalisation, c'est ZAMSA que le Parlement a exécutif là. Pour nous mettre un laboratoire sérieux sous pied. Pour nous renforcer le laboratoire national bâtiment. Pour nous renforcer faculté des sciences qui aujourd'hui a qui vont programme en géosciences master 1 et 2 que grand pile jeune fille et jeune garçon qui dans faculté a pour nous renforcer programme ça pour nous grand pile cadre qui sorti dans faculté des sciences qui ca venir pour accompagner l'état qui ca permettre nous mettre contrôle sur ça qui va entrer dans pays a produit a sorti tout côté sous la terre pays a sous condition savonne tout bagaille a pendant que président Sénat République, là, président Chambre députée, là, qui l'a ensemble avec nous, sénateur, député, là, qui l'a ensemble avec nous, automatiquement, il recommence ce travail, il va le bail, loi sa priorité pour nous, loi sous normalisation, là, qui pour permettre que nous mettions normes, que normes nous mettions, c'est yo qui a respecté dans tout ça, nous a commandé pour venir construire caille et pour nous manger dans le pays. Haïti, c'est pays pas nous. Haïti, c'est pour nous tous. Pays d'Haïti, c'est un bien collectif lié. Tout Haïtien à la honte badé, doit travailler pour quitter bien ça. Pour petit, petit nous. Bien ça, nous pas bien doit craser. Bien ça, c'est pour nous tous dire ensemble. À partir de jeudi, nous mettons nous ensemble. Tout dérive qui était gagné pendant toute dizaine d'années qui sont passées. Nous tout a campé, nous fait yon pour bloquer dérive ça. Tant que construction anarchique, tant que moun kap monte sous tes moun, tant que moun kap vole tes moun, tant que moun qui va décider respecter la loi. Nous tout ensemble, c'est pour nous faire yon, pour nous quitter un pays meilleur. Pour petit, petit nous, pour demain, les nous-mêmes nous partis, ça qui est venu, qui est fier de nous. Vive Peuple Haïtien, vive Haïti. Merci en plus. Sota paquet gros annonce président république la sot fait côté président Jovenel Moïse et commencer pour dire lui reconnaître malgré toute difficulté à mauvais moment qui frappe pays a peuple haïtien rete un peuple qui gagne en pile courage pendant li fait connait li lève temps pour responsable suspendre quitter citoyen yo construit Jean yo vle n'importe côté yo vle dans pays a chef l'état gagne un pensée spéciale tout dans intervention tout à l'heure pour l'autre catégorie monde qui pas mourir dans catastrophe 12 janvier mais qui vivent avec un handicap physique que catastrophe là qui était pour monde ça yo président république l'a dit il souhaitait population haïtienne pral tourner avec solidarité à combite qui te gagne tout partout dans pays dans période qui te suivre 12 janvier justement à se rendre de ce côté pour la pose de la première pierre. Nous invitons son excellence le premier ministre. Nous invitons l'honorable président du Sénat de la République,
l'honorable président de la Chambre des députés, la vice-présidente de la Cour de cassation, le ministre des TPTC, le coordonnateur et les membres du groupe de travail et de réflexion à accompagner leur excellence. Vive moment tout à fait spécial dans l'histoire du pays d'Haïti. Président républicain Jovenel Moïse accompagné première dame républicain Martine Moïse, premier ministre Jacques Guy Lafontaine, président de Chamyo, sénateur Joseph Lambert, président Sénat républicain député Gary Baudot, président Chambre députée à diverses autres personnalités. Voilà, à prendre place pour accompagner le président républicain dans gros geste historique ça qui va le fait dans le moment n'a regardé là n'a profité rappeler ça fait troisième fois dans l'histoire pays d'Haïti palais national détruit dans même espace ça n'a regardé là en 1869 sous président Sylvain Salnave, en 1912 sous président Saint-Sinatus sous le compte et puis 12 janvier 2010 sous président René Préval. Donc dernier souvenir papa ici en gain de palais, c'était un bel bâtiment 3 étages qui est en mis sous environ 20 000 mètres carrés à 4 gros colonnes sur la façade principale là. Et je ne jeudi à un groupe ingénieurs, architectes avec historiens qui décidaient de lever gros défi pour remettre le bâtiment ça sous pied avant fin mandat président Jovenel Moïse. République là qui invitait chaque monde pour remettre main par yo, c'est Steve Colin, jeune garçon ça dans Cité Soleil lui-même qui te prend décision. 10 000 gouttes dans l'argent qui sortit dans la poche li pour la construction palais et le président de la République là qui déposé première pierre pour construire le palais national avec un dernier coup de tiwel ministre travaux publics, transport, communication ingénieur Fritz Kayo. Lui-même qui est présent partout côté président de la République là, yeah, et qui est un grand acteur et projet caravane changement, processus caravane changement. Voilà. Travail à l'IFET, nous remarquons les historiens, membres de la commission qui travaille et qui réfléchit sur la reconstruction par les nationales qui sont même tout est présent. Le président de la République là prend place dans la coupe à l'air pour recevoir une présidentielle. Et président républicain et première dame nan, qui retournait et probablement qui va prendre place côté Ote Chita. Rapidement, on a rappelé une tranche dans le discours président républicain. Pour quelques monde peut-être qui a regardé, qui a posé question, qui bon l'argent ça et combien comme tout qui va le construire par les nationales, eh bien, dans discours, le président République l'a sauté, côté quelques précisions, en tant qu'on lui dit, l'argent reconstruction par les A, eh bien, pour le sortir dans poche haïtien conséquent, qui voulait contribuer dans l'action historique ça. Déjà, nous sautons, il y a un jeune dans Cité Soleil qui était premier à faire ça, côté Libye, 10 000 gouttes comme contribution. On parle de la reconstruction par Léa. Qui fait déplacement jeudi. 6. Nous avons en pile hospitalité. Nous avons invité nous toutes qui la suivent
président de la République là, dans la réception que nous parlons pour nous toutes. Merci encore. Bien. Côté eux-mêmes, ils baillent 250 000 goudes pour participer à la construction paléa avec une valeur 25 000 goudes par département. Donc, c'est là, c'est la cérémonie ça prend fin pour aujourd'hui. Hein. Mais Jean-Président de la République Lansot Dil n'a pas connu que le concours a été lancé, firme nationale et internationale qui est intéressée, qui connaît, yo capable de refaire palais national, couper tête, mettre tête à palais que l'architecte Georges Bossant a construit dans l'année 2012. Là. Eh bien, eux-mêmes, ils ont déposé les documents devant la commission qui travaille, qui a réfléchi sur la reconstruction palais national. Là. Qui pral gagner et côté gagner un jury qui déjà formé, jury ça pral gagner ensemble avec commission hein, pour sélectionner firme ça qui pral remporter maillot là pour construire palais national. Le président de la République m'a dit c'est dans moment ça construction hein, officiellement la démarrer, mais déjà avec pose première pierre ça, c'est un signe de volonté qu'elle gagne et c'est un signe en fait et pour palais ça camper sur deux pieds avant fin mandat président Jovenel Moïse là. C'est sous notre ça amis téléspectateurs télévision nationale d'Haïti n'a pour remercier tout le monde qui était branché pour te suivre moment staff technique télévision nationale d'Haïti. Un gros merci pour tout le monde qui était branché nous. Bonne suite de programmation sous télévision nationale d'Haïti. Bye.